Enfin, on a deux intervenants de qualité, vraiment. Donc, Christelle Bacache, qui est chargée de mission au Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie, ASTER, et qui porte vraiment un projet qui va être très intéressant, vous allez voir, qui s'appelle Nest and Climb, qui prend parti d'inclure les grimpeurs comme des vraies sentinelles de l'environnement dans la protection des oiseaux. Elle va vous expliquer tout ça. Il y a aussi Brad Carlson, qui est donc chercheur au CREA, qui est le centre de recherche sur les écosystèmes d'altitude. C'est un Américain qui a découvert la France en faisant ses études à Grenoble, et notamment une thèse sur l'impact du changement climatique sur la végétation au Parc national des Écrins. Et il a été assis à vos places puisqu'il est passé par le cursus de formation de l'ENSA, et il est aussi guide de haute montagne. Donc j'ai choisi ces deux photos qui sont pas très conventionnelles, mais qui, je pense, prouvent la qualité des intervenants, puisque au-delà d'être des naturalistes et scientifiques vraiment calés sur leur sujet, ils sont aussi pratiquants de la montagne. Christelle est une forte grimpeuse et Brad emmène des clients en haute montagne. Donc ils ont cette transversalité intéressante dans ces domaines, à la fois le côté pratique et scientifique. Et vraiment, je les remercie chaleureusement d'être avec nous ce soir, malgré tous les changements d'organisation dus au contexte. Si vous avez des questions pendant la conférence, gardez-les, on fera un échange à la fin avec nos intervenants. On va commencer tout de suite avec Christelle, qui va être sur la partie faune et notamment les oiseaux. Et ensuite, on retrouvera Brad sur la partie flore et surtout sur les plantes d'altitude. Voilà, merci à vous. Du coup, moi, je travaille pour le Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie. C'est une structure qui gère des espaces naturels et qui produit de la connaissance sur les milieux, que ce soit des espaces protégés ou pas. Et j'ai un poste un peu particulier et très haut-savoyard, puisque je travaille sur la conciliation entre les activités sportives et la protection de l'environnement. Parce que bah, y a beaucoup de sportifs en Haute-Savoie, et il y a aussi beaucoup de milieux naturels remarquables, ou non d'ailleurs, des milieux qui peuvent être assez communs, mais qui valent le coup d'être étudiés et protégés. Et c'est le cas pour les falaises de grimpe. Et donc, moi, j'ai un petit biais, en effet, comme l'a bien présenté Clémentine, puisque je suis grimpeuse moi-même. Donc, c'est un monde que je connais par ma pratique perso. Et que j'ai un peu poussé ma structure à étudier, parce que autant on est très très bon en milieu terrestre, autant en milieu verticaux, on s'était un peu moins intéressé à la question, à part autour de certaines espèces emblématiques. Et donc l'idée, c'était de monter un projet qui mobilise les grimpeurs et qui permette de produire de la connaissance sur ces milieux-là. Le projet, il est financé par l'Office français de la biodiversité, qui est un institut public en fait qui rassemble l'Office national de la faune sauvage et puis différentes agences sur la biodiversité, et qui donc pour la plupart, c'est des fonctionnaires en fait qui vont être sur toutes les questions en rapport avec la protection de la biodiversité et la connaissance de la biodiversité en France, et ils financent des projets de manière assez, ponctuelle, en fait. Donc, ce projet-là, il est financé sur 2 ans, donc 2021-2022, ce qui correspond à 2 saisons de nidification. Et l'idée, c'est de financer des projets sur les thématiques sur lesquelles ils sont un peu moins investis, et notamment sur les sports de nature. Pour l'instant, c'est encore balbutiant côté OFB. Donc, ils étaient assez contents d'avoir un projet comme ça. Alors, le projet Nest and Climb, d'abord, il s'est posé la question, bon, c'était un peu facile pour moi, de où sont les falaises en Haute-Savoie. Ça, c'est une petite carte qu'on a produite qui reprend toutes les falaises de Couen. Alors, c'est juste un périmètre qu'on s'est donné sur le projet. Il y a autant d'oiseaux en falaises de plusieurs longueurs, mais disons que ça a demandé plus de logistique d'accès et accessoirement d'assurance pour mon employeur. Donc on s'est limité aux falaises de Couen. Après, on a produit la même carte sur toutes les falaises de Haute-Savoie, inclus les voies en plusieurs longueurs, ce qui en donne, là il y en a une centaine à peu près sur la carte, il y en a 250 si on les prend toutes, voire un peu plus si on va chercher au-delà des topos sur les choses équipées à droite à gauche par diverses personnes. Donc l'idée, c'était de référencer toutes ces falaises et à côté d'essayer de voir lesquelles étaient habitées par des oiseaux.
Ça a été assez intéressant. Donc, le projet, il s'est lancé autour de cette cartographie avec comme idée que le meilleur observateur de la falaise, c'est le grimpeur lui-même, parce que ben, on en passe du temps en falaise à assurer, à grimper et à rien faire aussi des fois, avec les yeux au ciel en plus pour lire nos voix ou poser des spits ou ce genre de choses. L'idée c'était que le grimpeur qui observe la falaise fasse un retour sur ce qu'il voit. C'est-à-dire que si par exemple il grimpe dans une voie et il tombe sur un nid, et ben ils nous le disent. Ou s'il voit des oiseaux qui ont un comportement un peu particulier, qui nous fasse une information. Donc ça s'est développé autour de deux réseaux sociaux qui sont Facebook et Instagram. Donc sur les groupes de grimpeurs locaux et puis avec une page dédiée au projet. Et assez rapidement dans la saison, donc j'ai lancé la page, je crois, le 20 février, et à partir de mars, j'ai commencé à avoir des petits messages, comme celui que je vous ai remis sur l'écran, qui est arrivé donc le 16 avril, avec, j'avoue, j'en ai une dizaine hein, sur ce nid-là, qui me disait, il y a un nid au Gaillan. J'ai eu toutes les versions, donc là c'est la version la plus probable. Il y a un nid avec deux œufs dans la falaise des Gaillans. On m'a indiqué à peu près où il était. On m'a aussi fait un retour comme quoi il y avait 9 œufs dans un nid dans la falaise des Gaillans. On m'a dit il y a un canard qui a niché au Gaillan. Donc moi, très bonne élève qui croit un peu ce qu'on me dit, je suis allée chercher les canards rupestres qui pourraient être chez nous. Le seul canard rupestre que j'ai pu trouver dans mes études ornitho, c'est un canard bleu néo-zélandais. Donc, bon, voilà. A priori, c'était pas ça. Donc, avec un bénévole un peu tout désigné qui est là, on a été vérifier c'était quoi le fameux nid des Gaillans. Et on est tombé sur, je sais pas si vous voyez bien la petite photo en bas. On est tombé sur la dégaine, c'est moi qui l'ai mise pour mettre à l'échelle. On est tombé sur un nid en pas très bon état avec du duvet dedans et des œufs cassés. Il y avait 4 œufs, donc au final personne n'avait raison. C'était ni 9 ni 2. 4 œufs cassés vers l'intérieur avec du duvet tout autour et un peu qu'est-ce qui s'est passé, sachant que entre le moment où on m'a dit il y a un nid avec des œufs et le moment où on y allait, il s'est passé à peine une semaine. Donc c'est pas grand chose. On a remonté le fil de l'enquête avec des collègues qui sont bien meilleurs ornithologues que moi. Et ce qui s'est avéré, c'est que les œufs ils sont cassés vers l'intérieur, c'est-à-dire que c'est pas une éclosion. Ça veut pas dire que les poussins sont partis, se sont envolés et que la nidification a été à son terme. Le fait que les œufs soient cassés vers l'intérieur, c'est une prédation et sûrement par un autre oiseau. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce nid des Gaillans, qui en plus avait mobilisé plein de monde, parce qu'il y a au moins 10 personnes qui m'ont envoyé des messages, ce nid des Gaillans, il représente exactement pourquoi un tel projet est intéressant sur des falaises comme les nôtres, qui sont quand même assez fréquentées. L'idée, c'est que quand il y a un nid en falaise, il y a plusieurs risques pour la nicher. La première, c'est qu'on effraie les parents et donc qu'ils s'éloignent et qu'ils laissent les œufs sans couvaison ou les petits sans être nourris. La deuxième, c'est de nous-mêmes abîmer les œufs en faisant un gros jeté sur un bac avec un nid derrière, on explose les œufs avec notre main et il n'en reste pas grand-chose. Et la troisième, qui est un peu moins évidente mais qui est la plus probable et ce qui arrive le plus souvent, c'est que en fait, on fasse envoler les parents qui vont revenir à un moment, mais qu'entre-temps, il y ait une prédation qui ait lieu sur les œufs ou sur les petits, parce qu'un oiseau de quelques semaines qui est encore au nid, ou de quelques jours selon les espèces, va être très facilement prédaté, et il y a pas mal, notamment au Gaillan, c'est assez intéressant, on voit souvent tourner des corneilles et des grands corbeaux, donc il y a pas mal d'autres oiseaux qui vont prédater les jeunes, quelle que soit l'espèce. Pour aller au bout de ce mystère-là, a priori, vu les œufs et le plumage qu'on a trouvé, c'est certainement des œufs de chouette-ulotte. Et ça a probablement été prédaté à un moment où les parents étaient partis, sachant qu'en pleine journée, normalement, les parents sont au nid de manière permanente et qui vont chasser la nuit pour ramener à manger, etc. Donc un parent de ulotte qui n'est pas au nid en pleine journée, c'est qu'il a été sûrement dérangé. Et vu les Gaillans et la fréquentation qu'il y a là-bas, c'est probablement par un grimpeur. Du coup,
on a un grimpeur qui nous contacte, qui nous dit qu'il y a un nid dans telle falaise. L'idée, c'est d'aller identifier l'espèce qui est concernée et d'installer un petit panneau comme ça qui va dire dans quelle voie a été observé le nid pour bien dire attention, ne la grimpez pas. Parfois, il y a plusieurs voies à inscrire parce que les voies se croisent ou alors passent très proches, sachant que selon l'espèce d'oiseau, ils vont être effrayés par une proximité. Ça peut aller de 2 à 30 mètres. Et puis, surtout, ce qui était hyper important pour moi dans le projet Nest and Climb, c'était de définir une période, en fait. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on observe, est-ce que c'est des œufs, est-ce que c'est des jeunes, est-ce que c'est des adultes qui sont en train de construire le nid, la période pendant laquelle la voie va être, entre guillemets, fermée, n'est pas la même. Et c'est ce qui était important, en fait, c'est d'avoir une période qui soit amovible, donc de ne pas mettre des panneaux qui disent systématiquement on va fermer on va ne pas grimper de mai à juillet ou de mai à août, c'est de mettre des dates, c'est-à-dire le nid a été observé dans tel état avec des œufs dedans, je sais pas moi, par exemple à la mi-juin, et selon l'espèce, ça va être non grimpable pour ne pas déranger la nichée jusqu'à la période où les jeunes sont autonomes et partent du nid. Donc selon les espèces, ça peut être 2 semaines plus tard ou parfois ça peut être plusieurs mois plus tard. Donc, petit exemple de mise en œuvre. Donc, c'est juste le panneau avec les noms des voies et qu'il ne faut pas grimper. Et puis, bien sûr, la période. Donc, ça, c'était sur la falaise du Foron, qui est une falaise assez loin d'ici, dans laquelle on a observé un nid de faucons cresserelles. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que la falaise du Foron, elle est assez haut en altitude. Et le nid de cresserelles qui a été observé était particulièrement tardif. Donc là où habituellement on dit ne pas déranger le faucon cresserelle entre mai et juillet, en fait, vu l'état du nid au moment où on l'a observé, donc quand on y a été, on a mis la période jusqu'au 1er août parce que en calculant le moment d'éclosion des œufs et le moment de l'envol des poussins, ça poussait jusqu'au 1er août. Du coup, je vous ai préparé un petit jeu. À chaque fois, vous allez avoir une photo de falaise et l'oiseau. J'ai nommé l'oiseau parce que j'ai supposé que j'aurais plus de grimpeurs que d'ornitho dans la salle. est-ce que vous êtes capable de reconnaître la falaise? Oui, c'est la falaise de Bionacé. Et la falaise de Bionacé, c'était aussi une inspiration pour ce projet parce qu'à Bionacé, si vous y êtes déjà allé, il y a un petit panneau en bois qui dit nidification de faucons, ne pas grimper, mais qui est ignoré par tout le monde parce que ce panneau, il est en place depuis 3 ans. Et en fait, l'idée de Nest and Climb, c'est que ça n'arrive jamais. C'est que les panneaux, ils sont temporaires et ils sont mis quand il y a un oiseau et enlevés quand il y a un oiseau. Pourquoi ? Parce que des fois, les nids ne sont pas occupés et donc ça ne sert à rien de dire aux grimpeurs de ne pas y aller. Et donc à Bionacé, l'oiseau historique de Bionacé qui mérite ce petit panneau en bois, c'est un faucon pèlerin. Donc c'est le faucon que tout le monde connaît parce que c'est l'oiseau le plus rapide du monde avec un vol à plusieurs centaines de kilomètres donc voilà, qui a cette silhouette en vol. Et après, c'est un oiseau qui est pas très grand, ça fait entre 30 et 40 centimètres d'envergure, et puis c'est vraiment très aérodynamique. Et en fait, la position des ailes, enfin, c'est très facile à reconnaître en vol parce que la position des ailes va être de plus en plus en flèche quand il pique vers le sol. Ouais, c'est le Foron, donc avec le faucon cresserelle. Donc ça, c'est un mâle de cresserelle. Le mâle est vraiment très reconnaissable avec son genre de queue en éventail, et puis il est très blanc. Le nid de cresserelle au Foron, il était situé en fait 2 mètres au-dessus de 4 voies. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on grimpe là-bas, on voit vraiment les allers-retours du couple qui vient nourrir les jeunes. Et donc ça fait c'est un balai assez assez impressionnant en fait, parce que les parents vont faire un nombre d'allers-retours très important dans la journée. Et donc sur les dizaines de voies du Foron, il y en a que 4 qui sont entre guillemets condamnées par la présence d'un cresserelle à cet endroit-là. Donc c'est pas trop contraignant pour les grimpeurs a priori. Oui, c'est la falaise de la Parée. J'ai pas vu d'où ça venait, mais bien joué. C'est ça, c'est au-dessus de Servoz. Donc c'est une falaise avec une grosse approche et qui a été un terrain hyper intéressant pour nous parce que ça fait plusieurs années qu'on échange avec les équipeurs de cette falaise sur la présence pas très loin d'un couple de gypaètes barbus et vraiment
voisin de la falaise, un couple d'aigles royales. Et moi, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est en y allant pour le projet Nest and Climb, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi une grosse communauté de cresserelles. Donc, on a vu au moins 4 individus de cresserelles différents à ce moment-là. Et plein d'autres petits passereaux qui gravitent autour de cette falaise. Donc, c'est intéressant parce que c'est une falaise qui est assez loin des habitations. Il y a quand même une bonne approche. Hillary, elle mettrait peut-être une demi-heure. Moi, j'ai mis plutôt une heure et demie. Et en fait, plus on s'éloigne des endroits habités, plus il y a une densité et une diversité d'oiseaux observés sur ce genre de milieu, sachant que les oiseaux sont, pour la plupart, tous ceux dont je vous parle là, sont vraiment très spécialisés des milieux de falaises. Donc ils ne vont pas nicher en maison ou dans des plus petits blocs ou en moindre altitude. Alors là, c'est un petit peu plus dur au niveau de la photo. C'est une falaise de grande voie. Ouais. C'est bon. En fait, quand je vais vous le dire, vous allez la reconnaître parce que c'est un grand classique. C'est la Maladière. Donc, falaise, vous devez la voir au-dessus de Cluses. C'est dans la descente des relais dans les relais de Tropique. Et donc, ça se reconnaît assez bien à ce caillou un peu orange, pas très sculpté, mais avec pas mal de prises au final. Et en allant à la Maladière, donc là c'était hors projet Nest and Climb, hein, vu que je regardais les oiseaux en grimpant, ben, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses. En fait, j'ai repéré une colonie de martinets à ventre blanc. Donc le martinet, c'est ce petit oiseau qui ressemble beaucoup aux hirondelles et qui a un vol vraiment très particulier. C'est un oiseau acrobate en fait et qui se déplace, qui vit en colonie. Donc si on en voit un près de la Maladière, il y en a, en fait on en voit plutôt 20 d'un coup. Et c'était assez intéressant parce que le matin, en descendant dans les rappels, ils étaient très très actifs et très bruyants. Et en plus pendant leur parade, ils poussent des cris stridents très reconnaissables. Et on y était un peu avant la période de nidification, donc on n'est pas tombé sur des nids, mais c'est un oiseau qui est rare et très menacé parce que son habitat a beaucoup évolué avec les constructions humaines. Et les quelques falaises qui lui correspondent, qui sont suffisamment en altitude, etc., sont pour la plupart soit équipées, soit... on va dire que c'est des écosystèmes assez rares en fait, qui gagnent à être protégés, sans dire de ne pas y grimper, mais en tout cas quand on tombe sur un nid, d'y faire attention. Et puis c'est des oiseaux vraiment intéressants à observer. Si comme moi, en le découvrant, vous mettez à regarder autour de vous, les regarder voler, c'est vraiment très impressionnant. Puis c'est des oiseaux d'altitude, donc on les voit aussi parfois dans Chamonix, notamment au-dessus des Prats. Ensuite, la petite star des falaises, c'est le Ticodrome échelette. Donc, c'est un oiseau papillon, on l'appelle comme ça parce qu'il a des ailes qui font beaucoup penser au motif des ailes de papillon. Une idée de la falaise, peut-être par la vue. C'est les tours d'Areux. Et j'en ai pas vu dans les Aravis des Ticodromes, par contre, j'en ai vu dans les Fises et dans les tours d'Areux. C'est un oiseau... qui vit très haut en altitude, donc qui est complètement inféodé aux écosystèmes alpins et qui va nicher en fait dans des petites infractuosités dans le rocher. Donc comme sur la photo là, comme on voit, en fait il est juste en dessous du nid du trou où il y a son nid. Et c'est un oiseau assez impressionnant parce qu'il va, en fait, il virevolte à flanc de falaise et il a une capacité à se déplacer dans ces milieux qui est vraiment très impressionnante. C'est la Pierre Alaya avec sa fissure très connue. Et le petit accenteur alpin qui est un petit passereau, pareil, très, très spécialisé des Alpes et de l'altitude et qui va nicher aussi en rocher, plutôt en calcaire. Voilà, et en fait l'idée c'est que c'est des oiseaux que vous ne recroiserez pas obligatoirement sur d'autres falaises à part en altitude, donc dans d'autres endroits de France, mais par contre chez nous ils vont être nicheurs en rocher et très spécialisés des falaises et non pas du construit humain. Exactement, bravo Nico. Le pont des G, donc pareil, on m'a signalé un nid là-bas. Quand j'y suis allée, le nid était vide, mais j'y suis allée un peu plus tard qu'il aurait fallu. Et par contre, on a repéré en pied de falaise des petits oiseaux duveteux comme ça, qui sont en fait des jeunes de rouge queue noire.
Là, pour le coup, c'est un oiseau qui est opportuniste, c'est-à-dire qu'il va aussi bien nicher dans les maisons, moi j'en ai un qui niche chez moi, que dans les falaises. Il est assez commun par chez nous. Et donc, il peut nicher en falaise. Après, c'est des œufs et des nids qui sont tout petits, donc ils peuvent passer inaperçus et sont vraiment dans des tout petits trous du rocher. Et là, notamment au pont des Gets, ils sont vraiment en pleine voie, enfin entre deux voies et dans une prise qu'on a très très envie d'utiliser. C'est aussi la colonne. Il les a toutes faites. Alors le suet, c'était intéressant parce que on est tombé sur un nid. Donc il y a la falaise, il y a la première falaise du suet, et puis il y a une falaise qui s'appelle le Grand Suet, qui est un peu plus loin dans la forêt et qui est un endroit beaucoup plus sauvage. Et là, c'était un peu comme à la parée. Dès qu'on s'éloigne de l'activité et de la ferme qui est juste en dessous du suet, en fait, on tombe sur une diversité d'oiseaux très importante, notamment un couple de cresserelles et un nid de grand corbeau qui est situé sur une vire juste au-dessus des voies. Donc c'était intéressant. Et puis pour le coup, pour en avoir après parlé avec d'autres grimpeurs qui fréquentent souvent cette falaise, ils ont tous dit que le grand corbeau avait un comportement assez agressif vis-à-vis des grimpeurs qui s'approchent du nid. Donc là, c'est autant pour lui que pour nous qu'il vaut mieux faire attention à pas trop s'approcher du nid. Et du coup, ça a condamné trois voies en fait sur le mur du Grand Suet. Bon, là, c'est vraiment très facile, hein. Je parle à des chamoignards, on est au Brévent. Vous avez tous vu les chocards du Brévent, et pas que au Brévent, d'ailleurs, ils sont un peu partout. Les chocards, ils nichent en falaise, et eux, par contre, ils vont être vraiment plutôt dans des systèmes granitiques. Et ils sont notamment au Brévent, en fait, on n'arrive pas trop à déterminer où sont les nids, mais c'est presque sûr qu'ils y sont. Donc pareil, si un jour vous tombez dessus en grimpant, n'hésitez pas à nous en informer. C'est l'eau vive, donc c'est pas très connu, c'est une falaise qui a un gros dévers et beaucoup d'huîtres. En fait, j'y suis allée parce qu'on m'a signalé un nid de hibou ou de chouette, sachant qu'il y a une voie qui s'appelle la voie de la chouette, je crois. On n'a jamais vu la chouette, par contre on a remarqué qu'il y avait une petite mésange charbonnière, donc qui ressemble beaucoup à une mésange commune, mais en fait elle est beaucoup plus grosse, donc on se dit qu'il y a un peu une anomalie quand on l'observe pour la première fois, parce qu'on se dit tiens, ça peut pas être une mésange, c'est beaucoup trop gros. Et donc cette mésange charbonnière, en fait, elle est pareille, c'est un oiseau qui va être très opportuniste et qui va nicher où il peut. Et donc là, on en a observé une dans un des 7B de l'eau vive, c'était dans une grosse fissure, il y a un petit trou dans la roche, et on voyait les adultes faire les allers-retours pour nourrir les jeunes. Donc l'avantage des tout petits oiseaux comme ça, c'est que la nichée dure à peine 2 semaines, donc ça occupe pas les voies pendant très longtemps. Et par contre, c'est pas mal de les protéger aussi, même s'ils sont un peu plus communs. Bon, ça c'est plus donc la falaise, c'est Malzer. Je sais pas si vous, enfin c'est dur à reconnaître quand même. Puis c'est assez, enfin moi le jour où j'y suis allée, il faisait très gris, donc c'est assez glauque. Mais par contre, ça c'est une photo de prise d'une corde qui descendait dans le nid directement, et c'est des poussins de chouette-hulotte. La chouette-hulotte, c'est ce qu'on a trouvé le plus dans le projet Nest and Climb, parce que c'est des oiseaux qui sont suffisamment grands et qui nichent dans des trous assez importants et qui restent au nid très longtemps. Donc ça veut dire que de la hulotte, on nous a informé des nichées de hulotte de mars à presque juin. Et donc ça prend un peu de temps pour que les poussins s'envolent. Et par contre, c'est assez sensible au dérangement, vu que c'est un rapace nocturne. Si on le dérange pendant la journée, il quitte le nid, comme ça s'est passé au Gaillan. Après, on va dire que le nid de Malzer était un peu moins exposé aux prédateurs que celui des Gaillans, parce que je sais pas si vous voyez la petite photo en bas, mais on voit bien qu'ils sont dans une grotte avec bien du caillou tout autour. Bon, puis la grande star des falaises chez nous, c'est le gypaète barbu. Là, c'est un fonctionnement qui dépasse complètement le projet Nest and Climb, parce que quand il y a un gypaète, en fait, on définit ce qu'on appelle une zone de sensibilité majeure dans laquelle on limite complètement les activités humaines. Du coup, il y en a une notamment au Bargy. L'idée, c'est que le gypaète, c'est un oiseau très très fragile, dans le sens où il a une reproduction effective tous les 3 ans par couple, et des couples, il n'y en a pas beaucoup en France. Donc en gros, si on fait échouer la nichée parce que on dérange les adultes ou qu'on abîme les œufs ou ce genre de choses, ça veut potentiellement dire qu'on fait échouer pour 3 ans et que le prochain sera 3 ans plus tard. Donc c'est un peu dans un souci de protection de l'espèce et de,
de protection, pour essayer de refaire grossir la population de ce grand vautour, qu'on les protège d'autant plus avec des zones qui s'élargissent bien plus loin que le nid. Et puis là, on n'est plus en Haute-Savoie, on est dans le Verdon, mais c'est pareil, c'est un des gros exemples de gestion de la conciliation entre les activités grimpantes et la vie faune des falaises, avec le vautour fauve qui est très présent dans le Verdon et dont la population a vraiment augmenté suite aux mesures de protection qui ont été mises en place. Et puis donc des vautours fauves, on n'en trouve pas chez nous, à part pour venir se nourrir, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire plusieurs centaines de kilomètres à la journée juste pour se nourrir, et ils se nourrissent pas mal en zone de montagne. Par contre, les premières nichées, elles sont le plus au nord, c'est Archéane, donc c'est le sud Vercors, quoi. Donc c'est un oiseau qui est un peu plus méridional que nous, mais qui va aussi adorer les systèmes de calcaire karstique. Voilà, du coup, l'idée de Nest & Climb, c'était bien, nous, on n'a pas la capacité, ni dans le cadre des financements de ce projet, ni en général même, de suivre toutes les nichées d'oiseaux sur toutes les falaises qui pourraient en accueillir. Du coup, le cœur du projet, c'était de créer un peu une communauté de grimpeurs qui veillent à ce genre de choses par les réseaux sociaux. Et puis aussi qu'ils se mettent à ouvrir les yeux sur ce qui les entoure. Donc sur les réseaux sociaux, il y a une communication qui continue sur c'est quoi les espèces des falaises, comment on les reconnaît, et puis qu'est-ce qui se passe quand une espèce niche, donc combien de temps dure la nichée, etc. Ce qui va permettre après que chaque grimpeur puisse ouvrir les yeux sur ce qui s'y passe et potentiellement nous faire remonter de l'information pour mettre des panneaux d'information, donc les petits panneaux comme je vous ai montré, et puis même à terme, si ça vous intéresse, venir avec nous sur le terrain, apprendre à identifier les oiseaux, et puis gérer l'information pour la falaise que vous fréquentez tout le temps. Notamment le Foron, pour moi, qui suis basée pour le boulot à Sallanches et qui doit aller au fin fond du Chablais, c'est un peu loin et c'est pas hyper efficace, alors que les grimpeurs locaux peuvent carrément se saisir de cette problématique et avoir un petit panneau à demeure s'ils réobservent le couple de cresserelles, ou bien c'est le cas pour les hulottes aussi. C'est des oiseaux qui sont très territoriaux, donc potentiellement on pourrait imaginer que soit les clubs locaux, soit des grimpeurs individuels qui sont intéressés par cette problématique de la vie faune puissent eux-mêmes définir mettre les petits panneaux et puis informer les grimpeurs du coin, d'autant que plus l'information est locale, plus ça passe bien auprès de toutes les autres personnes qui fréquentent, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder sur les pages du projet, et puis sinon à nous contacter. Mon nom, c'est Christelle Bacache, et vous trouverez mes coordonnées, mail, téléphone, etc. en ligne. Je vais passer la parole à Brad, parce qu'il n'y a pas que des oiseaux en falaise, il y a aussi des bouquetins et des fleurs. Bon, bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus. En effet, moi je vais parler du côté flore qu'on peut trouver dans ces parois. Moi c'est Brad Carlson, je suis guide et écologue au CREA Mont-Blanc, le centre de recherche sur les écosystèmes d'altitude, basé ici à Chamonix. Et donc je vais citer quelques exemples de plantes qu'on trouve dans le massif du Mont-Blanc, en haute montagne, au-dessus de 2500 mètres, et sur granit. Comme on a vu pour les oiseaux, dès qu'on change de substrat, par exemple si on passe sur du calcaire dans le massif des Fises, ou bien si on change de climat en allant plus dans le sud, vers les écrins, on voit que les plantes de montagne changent sensiblement. Donc je ne vais pas être exhaustif au niveau de la Haute-Savoie, et même pas pour le Mont-Blanc, mais je vais parler de quelques exemples sur granit. On a l'habitude dans notre imaginaire de penser à la haute montagne comme un milieu plutôt stérile, composé de neige, de glace et de roches. Ceci est vrai, mais il y a aussi une diversité assez étonnante qui se trouve dans ces milieux très hostiles à la vie.
Et elle, en fait, elle est là également depuis fort longtemps. Donc, c'est pas simplement sous l'effet du réchauffement climatique récent que les plantes s'installent en haute montagne, mais en fait, elles sont là depuis des centaines de milliers d'années. Et elles font partie, entre guillemets, des murs là-haut. Je voulais aussi citer l'exemple qui est dans la photo ici, qui est la silène à col qu'on voit très fréquemment en montagne par ici et pas que. Et en fait, il existe un lien historique entre l'alpinisme et la botanique, et notamment ici à Chamonix, puisque Horace Bénédicte de Saussure, que vous connaissez tous, il a fait la première observation en botanique en haute montagne connue de l'histoire lors de sa redescente du Mont Blanc en 1787. Et même s'il était sûrement bien crevé lors de son quatrième bivouac d'affilée, ben en fait, il a ouvert les yeux et il a regardé autour de lui, au rocher de l'heureux autour, à 3500 mètres, et il a trouvé cette plante, cette silène, qui était présente. Donc, elles sont là depuis longtemps. Et également, c'est pas que quelques exemples anecdotiques. Il y a vraiment une forte diversité qui se trouve en montagne, dans les Alpes en particulier. Pour donner quelques chiffres, les Alpes recouvrent environ 5% de la surface continentale de l'Europe. Pourtant, on trouve plus de un tiers de la flore européenne, donc qui représente plus de 4000 espèces de plantes, sur cette petite surface de 5%. Donc, en gros, pour une très petite surface, on trouve une quantité d'espèces tout à fait étonnante. Donc, je vais vous en citer quelques-unes ce soir. Donc, avant d'attaquer les exemples, je voulais d'abord essayer de répondre sur les grandes lignes à cette question. Pourquoi est-ce qu'on trouve une diversité si forte en montagne? Et en fait, il y a ce qu'on appelle des chercheurs biogéographes et aussi en évolution qui se sont penchés sur cette question depuis fort longtemps. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir, mais pour vous donner quelques billes, déjà en montagne, en fait, on le connaissait tous, il y a des fortes variations de climat sur des distances extrêmement courtes. Donc, on passe de la vallée de Chamonix à 1000 mètres jusqu'au sommet du Mont Blanc, et on perd, entre guillemets, en température annuelle moyenne, 22 degrés par là. Et pour avoir ce même contraste thermique, en remontant dans un axe de latitude, il faudrait passer plus de 4000 km en direction du pôle Nord. Donc en fait, sur déjà quelques kilomètres, on passe d'une vallée montagnarde, on va dire, à l'Arctique. Et puis, en plus, il n'y a pas que la température qui varie en fonction de l'altitude. Il y a aussi plus de précipitations, un enneigement qui est plus long en altitude. Il y a plus de rayonnement solaire, également plus des vents plus importants. Et donc, tout cela aussi varie en fonction du versant et de la microtopographie. Donc, si on change de versant sud, nord, de forme, etc. Donc, il y a vraiment énormément de variabilité topographique qui amène à beaucoup de conditions environnementales. Et les plantes s'adaptent, et les animaux aussi. Mais les plantes ne peuvent pas bouger, donc elles sont vraiment contraintes par ces conditions particulières. Et donc, elles profitent de la richesse d'habitat pour se diversifier. Donc ça, c'est une première réponse, c'est qu'il y a beaucoup de variabilité topographique et donc climatique. Et puis l'autre réponse, on va remonter un peu plus dans l'histoire, c'est qu'il y a eu cette histoire de glaciation et de période glaciaire et interglaciaire pendant ce qu'on appelle le quaternaire, pendant les 2 millions d'années. Vous m'avez compris. les 2 millions de dernières années. Et donc, ici, vous avez une carte de Sylvain Coutran qui montre l'extension des glaciers pendant un des maximums du Wurm, il y a 26 000 ans à peu près. Et donc, vous voyez que la glace qui est dessinée sur la carte remonte jusqu'à environ 2500 mètres. Et il y avait seulement des sommets rocheux qui restaient émergés et libres des glaces. Ce que vous savez peut-être
pas, c'est qu'il y avait aussi les plantes qui ont persisté sur ces hauts sommets et qui étaient présentes même pendant les périodes les plus froides, des périodes glaciaires. Et puis, en fait, la glace qui isolait les différents massifs faisait que les populations locales dérivaient et s'adaptaient localement. Et puis, ça générait de nouvelles espèces et ça contribuait à la diversité floristique. Ensuite, quand les glaciers se sont retirés, ben, les espèces de plantes ont non seulement colonisé depuis les bords, depuis les régions plus au sud, mais également vers le bas, depuis au sommet rocheux. Donc, la période glaciaire était une variable usine à spéciation pour la flore alpine. Donc, je vais vous citer quelques exemples. Encore une fois, c'est la silène, mais je voulais vous parler de certaines de ces adaptations. Vous êtes grimpeurs, montagnards, vous l'avez tous vu, c'est sûr. Et en fait, elle prend cette forme qu'on appelle en coussin. C'est une sorte de demi-sphère qui est très efficace pour conserver la chaleur et aussi l'humidité. Et donc, elle arrive à tamponner, c'est-à-dire à garder une température assez constante, malgré le fait qu'on passe des températures polaires la nuit ou l'hiver, jusqu'à des températures extrêmement élevées le jour, avec un rayonnement solaire équivaut au Sahara. Et le coussin, à l'intérieur, il reste 8 degrés, 9 degrés, ça ne change pas. Donc ça crée un petit micro-écosystème. On appelle la silène une espèce ingénieure parce qu'elle permet à d'autres espèces, justement, de s'installer. Et elle facilite la vie à d'autres organismes. Là, en blanche, vous avez la marguerite des Alpes, une grande classique, et aussi des graminées, l'herbe qui s'incruste, mais aussi toute une communauté de champignons, bactéries qui existent localement à l'intérieur de ce coussin. C'est aussi un exemple qu'on aime bien citer au CREA où je travaille, c'est que plus on monte en altitude, plus on assiste à des relations positives entre espèces, ce qu'on appelle la facilitation, puisque les conditions environnementales sont tellement rudes que les espèces s'entraident entre elles pour survivre. En l'occurrence, plus on descend en plaine ou en basse vallée, c'est plutôt une dynamique de compétition entre espèces pour les ressources. Mais en tout cas, la haute montagne est plutôt un lieu de coopération pour ces plantes, et pas que. Donc ici, c'est au jardin de Talefre. C'est un endroit magnifique que certains d'entre vous connaissent certainement, qui a resté émergé des glaces depuis lors des dernières glaciations et qui a une flore tout à fait étonnante. Après, je vais vous citer l'exemple de la saxifrage à feuilles opposées, qui non seulement est jolie, mais c'est aussi un vrai champion d'altitude ici dans les Alpes. Ici, elle est photographiée par Sébastien Laverne, qui travaille au LECA, laboratoire d'écologie alpine à Grenoble. Et elle est donc au Grand Mulet, vers 3000 mètres dans le massif. Et donc, elle est présente en France. C'est le détenteur, elle détient le record altitudinal pour la flore alpine. Donc, Cédric Dantan, collègue, ami botaniste, l'a trouvée au sommet du pilier sud de la barre des Écrins, à plus de 4000 mètres. Et puis, elle a aussi été observée à plus de 4500 mètres sous le dôme de Michabel en Suisse, qui est le record altitudinal point des Alpes en Europe. Donc, c'est une vraie championne d'altitude et elle peut donc embellir vos ascensions, même au-delà de 4000 mètres. Toujours une photo de Seb, ça c'est donc l'Androsace de Saussure, présente au rocher de l'Oro autour, là où Saussure a fait son bivouac, à 3500 mètres. Et cette Androsace, elle est particulière et particulièrement intéressante parce qu'elle a été décrite pour la science il y a 2 ans seulement, par mes collègues, donc Seb Laverne, Sébastien Ibanez, qui est aussi guide et chercheur au LECA. Et Cédric, et aussi ils ont publié cette année un papier dans Nature qui décrit
trois nouvelles espèces d'androssas. Donc une ici dans le Mont Blanc, de Saussure, qui est présent au Mont Blanc, dans la vallée proche et aussi dans le Grand Paradis. Et aussi une autre espèce qui est présente dans les écrins. Et enfin un autre dans le Mercantour. Et ils ont pu faire cela parce que, grâce à des outils génétiques, ils ont montré que ces espèces sont bien distinctes par rapport à d'autres. Et donc, c'est pour montrer que non seulement ces espèces sont, enfin, ces plantes sont sous-étudiées de façon générale, parce que les botanistes ne montent pas beaucoup en falaise, comme disait Christelle, par rapport aux oiseaux. Mais aussi, il y a des vrais manques au niveau scientifique, au niveau fondamental, pour savoir de quelles espèces sont présentes et pour, dans ce cas, les décrire tout simplement. Donc, il y a encore des belles découvertes qui se font, avec notamment ce papier avec Florian Boucher aussi au LECA, qui était le premier auteur. Mais voilà, il y a encore des belles découvertes à faire là-haut. Celle-ci est aussi très présente dans le massif du Mont Blanc, cette androssas. Et j'ai eu le plaisir, il y a un an, avec Hilary, ma femme, qui est présente ce soir, de la croiser à plus de 4000 mètres dans l'arête de l'Illuminate, côté italien du Mont Blanc. Et c'est vrai que c'était étonnant d'être en train de grimper à la frontale à 4h du matin, et puis boum, d'un seul coup, dans une fissure, il y a une plante à fleurs en pleine forme, en train de faire sa vie, et sûrement là depuis fort longtemps aussi. Et puis avec le point rouge, on voit le milieu global, l'habitat dans lequel se trouve cette plante. Et c'est vrai qu'au premier abord, on dirait pas forcément qu'il y a une diversité végétale là-haut, mais si, c'est pas que des lichens, il y a aussi cette androssas qui arrive à croître au-delà des 4000 mètres. Et on espère, en fait, c'est pour l'instant, ça c'est l'occurrence la plus haute en altitude en Italie, qui est confirmée. Mais je pense que si on prend le temps de regarder sur d'autres piliers, d'autres arêtes de ce versant sud du Mont Blanc, je pense qu'il y a moyen de trouver, peut-être même de battre le record des Suisses, ce qui ferait bien plaisir. Donc je compte sur vous, je vais redire un mot là-dessus après. Au niveau de la participation. Donc là, on va descendre un petit peu en altitude pour parler de la renoncule des glaciers. Donc cette plante, elle est remarquable parce qu'elle s'installe très rapidement suite à la fonte des glaciers et aussi des névés. Ici, elle est montrée devant le glacier du Tour, où elle s'est installée, peut-être pas dans cette photo, mais plus loin, dans moins de 15 ans, elle était déjà en pleine forme, en train de fleurir, suite au retrait du glacier. Et elle est aussi présente en paroi, je l'ai croisée à la traversée des Drues, et aussi très présente vers le Peigne Pèlerin, dans ce secteur-là, enfin elle est très abondante. Et on pourrait penser que, vu sa forme, elle est un peu plus fragile que nos amis les plantes en coussin. Et en effet, elle peut être plus délicate vis-à-vis un coup de crampon, de piolet, etc. Mais de manière générale, toutes ces plantes sont assez fragiles à ce genre de perturbations. Donc, il faut éviter de. On peut les regarder, les observer. Elles sont certainement moins sensibles que la faune dans ces habitats. Mais les coups directs. Peut quand même les perturber, donc il vaut mieux tout simplement les regarder. Mais je reviens sur cette renoncule, elle est en fait extrêmement résistante par rapport aux conditions climatiques. Je l'ai vu il y a 2 semaines avec Seb, on était au col du Passon, et la fleur, en fait il a neigé, il a posé, il y a eu 15 cm de neige fraîche dans la nuit, et on s'est dit, bon ben c'est peut-être un peu violent pour les fleurs qui sont en pleine période de floraison, justement. Et puis on est revenu le lendemain, ça avait fondu le midi le lendemain, et en fait elle était en pleine forme, comme si rien s'était passé, après avoir eu 15 cm de neige début juillet. Et je peux vous dire que si la même chose se produit en pleine, vos potagers ne réagissent pas de la même façon. Donc elles peuvent sembler avoir l'air fragiles et délicates, mais elles sont plutôt robustes et très costauds, ces petites plantes. Donc il y a les plantes à fleurs, bien sûr, mais aussi les arbres qui sont à l'assaut des sommets et qui sont présentes dans ces parois.
Donc cette photo m'a été envoyée par Christophe Rondin, notre collègue, donc qui est chercheur à Lausanne et qui gère le jardin floral à Champé. Et lorsqu'il était en train de grimper au-dessus de Champé-Lac, justement, ils ont croisé ce pin cimbreau à plus de 2700 mètres, qui est le record pour un arbre en Suisse. Et donc cet arbre, il est remarquable parce que il a une très forte capacité de dispersion grâce à un oiseau, le casse-noix moucheté, qui mange, s'alimente avec les cônes et puis qui disperse les graines très loin, parfois en altitude. Et puis l'arbre aussi a la capacité de croître dans des milieux sans sol, sans matière organique, juste dans une fissure en pleine paroi. On observe aussi en France dans le Kira à plus de 3000 mètres d'altitude, donc c'est encore un champion à ce niveau-là. Et c'est en train de remonter fortement avec le réchauffement climatique. J'ai vu au Frette des Charmeuses ici, plus localement à Chamonix, à 2500 mètres, il y a les pins cimbreaux qui sont abondants et en train de changer la limite de la forêt petit à petit. Donc vous pouvez aussi le croiser lors de vos sorties en escalade. Et puis, je voulais terminer avec un exemple autour du couvercle, à 2500 mètres d'altitude, où on a croisé avec cette équipe, Seb, Cédric et Nico Bartolucci, qui ne pourraient pas être là ce soir. On a observé un bouleau présent juste après les échelles des Égralés, qui est pas forcément... La première chose à laquelle on pense quand on considère, quand on pense au site du refuge du couvercle, mais il a le mérite d'être là, et il y en aura sûrement plus dans les années à venir avec le réchauffement qui se poursuit. Et on était à cet endroit-là il y a un an à l'occasion de faire des relevés, une revisite botanique suite au passage d'un guide chamoniard au milieu du 19e siècle qui s'appelait Vénance Payot, qui a pris le temps de arpenter ces lieux autour de la mer des glaces et pour décrire toutes les espèces de plantes qu'il ait pu trouver. Et donc il a bien visité le couvercle, et à cette époque-là, donc dans les années 1850 et 60, il a trouvé 60 espèces à cet endroit-là, et l'an passé on a trouvé le double, 120 espèces présentes de plantes, je veux dire, à ce même endroit, y compris donc le bouleau et aussi le genévrier, qui est un arbuste qu'on devine en bas à droite dans la photo, la myrtille qui était arrivée entre-temps aussi, et tout un paquet d'autres espèces qui remontent plus bas en altitude. Et donc je voulais vous citer cet exemple pour communiquer qu'en fait il y a bien évidemment les glaciers qui évoluent très fortement, le permafrost qui évolue très fortement, mais aussi côté vivant, et dans ce cas côté flore, il y a des changements tout aussi spectaculaires, moins dramatiques pour nos pratiques en tant qu'alpinistes, pour notre sécurité, etc. Mais en termes de signal de réponse au réchauffement, le fait d'avoir le double des espèces est loin d'être anodin. Et puis plus bas, ici, il y a le petit îlot qui s'appelle Tacul, où il y a le croisement des glaciers de l'Échaud et du Tacul qui se rejoignent. Et là, c'est passé de 8 espèces au 19e siècle à 80 aujourd'hui. Donc, c'est vraiment des changements très abrupts. Voilà, c'est pour signaler que ces plantes de parois et aussi du milieu alpin, nival en général, sont aussi des témoins des changements climatiques en cours et qui sont en train de petit à petit modifier, restructurer les paysages de haute montagne dans le massif du Mont Blanc, et aussi nos milieux de pratique en tant qu'alpiniste et grimpeur. Après, je voulais terminer avec une conclusion simple qui peut se résumer à un mot. Participez, un peu comme Christelle, on compte sur vous pour faire des observations. C'est vrai qu'il y a un vrai manque de connaissances et d'observations dans ces milieux, tellement inaccessibles, en tout cas si on n'est pas alpiniste. Et il n'y a pas souvent cette combinaison regard sur les plantes et l'envie de faire de l'alpinisme et d'être dans ces milieux-là. Donc on essaie vraiment de donner envie aux collègues, guides, grimpeurs,
et pratiquant en général de faire ouvrir les yeux et faire les observations lors des sorties. Donc il y a un groupe WhatsApp qui a été lancé par le SNGM, le syndicat national des guides, qui s'appelle Guide Sentinelle, et dans lequel le but c'est d'observer à la fois les pratiques en haute montagne, notamment le bivouac, sur lequel on a zéro données, pareil, et aussi sur les occurrences de plantes en haute montagne. Donc je sais qu'il y a quelques guides dans la salle, je vous encourage à vous inscrire si ça vous intéresse. Pas besoin d'être botaniste, on peut juste envoyer une photo et un point GPS. Après, les botanistes s'en occupent. Il y a aussi une appli PlantNet qui est super efficace pour aider avec l'identification des plantes si vous voulez vous entraîner un peu. Et sinon, même sans GPS, juste une photo ou l'altitude et le nombre d'avoirs plus la photo de la plante, ça peut suffire. Et puis, on est en train de développer un outil au CREA qui s'appelle Géonature Citizen. Enfin, on est en train de mettre en place parce que ça existe déjà. C'est le Parc des Écrins qui pilote pas mal cette application-là. Et donc, à terme, notre objectif, c'est d'avoir un portail où les pratiquants peuvent saisir leurs observations de faune et de flore dans le massif. Il y a Simone qui est là ce soir qui contribue pas mal d'observations déjà. Mais l'idée, c'est que ça soit à terme ouvert à tout le monde pour avoir un véritable observatoire de biodiversité ici dans le massif pour justement générer de la donnée sur ces occurrences qui facilitent des études scientifiques. Et puis, je voulais terminer avec une citation que j'ai trouvée il y a quelques semaines dans un bouquin de Rebuffa pour illustrer que on n'est pas tant des ovnis comme ça, qu'il y a une sorte de précédent historique, pas que avec Saussure, mais aussi avec des alpinistes plus récents, sur ce lien entre la flore de haute montagne et l'alpinisme. Donc je vais vous lire, c'est tiré de son livre Mont Blanc, Jardin férique. Dans le cœur de l'homme, il y a toujours la place pour l'entreprise la plus audacieuse et pour la contemplation d'une fleur, d'un torrent, d'une vallée. Ainsi, une petite touffe de saxifrage rencontrée dans une fissure le long d'une paroi verticale nous est parfois offerte comme un cadeau. Action et contemplation, voilà bien l'alpinisme qui n'est ni l'une ni l'autre prise séparément, mais un équilibre entre les deux. Donc c'est pour juste insister sur cette... Il y a le côté scientifique, bien sûr, mais aussi l'aspect regard et comment on pratique lorsqu'on est là-haut. Et ce n'est pas forcément la flore, ça peut aussi être les cristaux, l'observation de la faune, la géole, ça peut être plein d'autres choses. Mais je pense qu'on est tous gagnants. En tout cas, ça peut enrichir nos expériences là-haut si on ouvre les yeux aussi vis-à-vis l'environnement qui nous entoure. Et je finis avec des remerciements parce que ce n'est pas moi qui fais ces observations tout seul, qui d'abord, je tiens à signaler, c'est pas fait sur mon temps de travail au CREA ni sur mon temps de guide, sauf quand j'arrive à être opportuniste, mais le plus souvent en tant que sortie perso aux montagnes. Mais avec un super entourage de collègues, d'amis, compagnons de cordée. Et je tiens à citer, bien sûr, Hilary qui est là ce soir, mais aussi Cédric Dantan, qui est vraiment est le grand spécialiste de la flore en paroi, ici dans les Alpes françaises. Et je vous conseille vivement ce livre qui est présent à la bibliothèque de l'ENSA, Flora Verticalis, qui porte bien son nom. On est dans le thème. Et qui a la référence sur les plantes qu'on peut trouver en paroi. Et puis, je vais aussi faire un petit peu de publicité, on va dire, pour un ouvrage que j'ai produit avec Ludovic Ravenel et Yann Bornier dans le cadre des 200 ans de la Compagnie des Guides de Chamonix. Et puisqu'on parle des guides sentinelles et aussi du changement climatique, c'est aussi un sujet préoccupant de manière générale pour le métier de guide.
et on fait un point, un bilan sur cette question dans le cadre des 200 ans. Et ce livret, il est disponible à diffusion gratuite. Donc merci à vous pour votre attention et puis j'espère qu'il y aura quelques questions. Merci beaucoup à tous les deux. J'ai vraiment appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je suis contente parce qu'on avait fait une sélection pas trop bancale puisqu'on recommande les mêmes livres, donc c'est parfait. Est-ce qu'il y a des questions qui vous sont venues lors de cette présentation? Alors, attends, je vais te faire passer le micro comme on enregistre aussi. Ta question sera plus audible. Du coup, Brad, il disait que par rapport au comptage d'il y a quelques années, on retrouvait de plus en plus d'espèces à certains endroits. Je voulais savoir si c'était, s'il y en avait qui avaient disparu aussi sur ce nouveau comptage. Oui, c'est... Bon, je vais rester assis peut-être. C'est une question très pertinente. En effet, ce qu'on observe pour l'instant, et puis on n'est pas les seuls, il y a tout un réseau de monitoring qui s'appelle Gloria, et notamment les Suisses sont très leaders là-dedans, ils suivent l'évolution de la flore sur les sommets, partout dans les Alpes et puis même dans le monde. Et ce qu'on observe, eux, nous aussi, c'est plutôt qu'il y a une diversité qui s'enrichit, de plus en plus de plantes qui sont présentes en lien avec le réchauffement, mais on n'a pas encore observé de ce qu'on appelle d'exclusion par la compétition. Donc pour l'instant, il s'agit de plus de monde et sans extinction locale, comme tu cites. Par exemple, il y a le Pise Linar en Suisse qui est à 3400 mètres et ils ont des relevés depuis le milieu du 19e siècle. Et il y avait à l'époque une plante, une androsace, qui était présente quand ils ont fait le premier botaniste a fait son relevé là-haut. Maintenant, il y a presque une vingtaine, mais cette androsace historique, elle est toujours là. Mais la question se pose pour le futur. En gros, jusqu'à quand, jusqu'à quelle limite est-ce que cette dynamique, on va dire, de coopération, de coexistence pourra se maintenir? Et à quel moment est-ce qu'il y aura des seuils de, en gros, où ça devient tellement chaud que les espèces plus compétitrices vont remplacer les spécialistes arctico-alpines, on les appelle, qui aiment le froid et la neige. Et donc, pour l'instant, c'est pas quelque chose que l'on observe, mais c'est une hypothèse qui devient de plus en plus plausible pour les années à venir. Si je peux compléter, en moyenne montagne, donc à l'altitude en dessous, on va dire, par contre, cette idée de compétition et de non-compatibilité des espèces vraiment alpines, enfin très spécialisées dans les milieux froids, vers par rapport à des espèces qui viennent de la plaine, elles s'observent. Enfin, surtout chez les animaux, avec vraiment le fait que les espèces alpines se font chasser de plus en plus en altitude par les conditions de température et de climat, et puis le type de nourriture présente, et par contre laisse la place à des espèces moins spécialisées, beaucoup plus communes, notamment la remontée du cerf ou du chevreuil, avec l'idée que plus on monte en altitude, enfin plus les espèces alpines vont être poussées en altitude par le changement climatique, moins elles vont avoir de place en fait pour se déployer et vivre. Donc, et puis avec là par contre l'évolution botanique, moi je suis beaucoup moins calée sur le sujet, mais par contre ça fait évoluer tout le milieu qui va avec, notamment avec les alternances milieu ouvert, milieu fermé, et du coup les cortèges d'espèces qui accompagnent chacun de ces milieux. Donc l'évolution de la forêt, notamment avec le changement climatique et sa remontée en altitude, va pousser aussi les espèces qui appartiennent pas au milieu forestier. Je vais juste enfoncer le clou par rapport à quelque chose qu'a dit Christelle, qui est très important. C'est justement, on est avec l'effet conique des montagnes, ben plus on monte, moins il y a de place. Et on a à peu près, dans le massif du Mont Blanc, la moitié moins en surface entre 2000 et 3000 qu'entre 1000 et 2000. Donc cette stratégie de remonter en altitude a ses limites et ne peut pas marcher de façon indéfinie. Moi, j'avais une question... pour Christelle, ah pardon, ben, j'arrive juste après, j'ai pas vu. Tu as parlé un moment des chocards à bec jaune, et on a tendance à observer que cet oiseau aime,
c'est peut-être dans mon imagination, mais j'ai l'impression qu'il aime beaucoup la présence humaine, qu'on le trouve énormément autour des refuges, à l'Aiguille du Midi, et qui sont foisonnants autour de peut-être ben, nos miettes, les déchets des refuges, etc. Est-ce que déjà c'est vrai? Est-ce que c'est une espèce qui bénéficie de cette présence humaine? Et est-ce qu'il y en a d'autres dans celles que tu as présentées? Alors, clairement, oui, c'est une espèce opportuniste sur sa nourriture et du coup qui apprécie beaucoup qu'on en laisse derrière nous et qui s'est habituée aux endroits où se concentrent les gens, de même au col, quand les gens s'arrêtent en rando, souvent à la fin de la montée ou ce genre de choses. Donc, il y a une concentration d'activité, enfin, il y a un rassemblement humain et donc un rassemblement de tout ce qui va avec les humains. Il y en a d'autres, oui, notamment sur les habitats, comme on parlait du rouge-queue, notamment qui va beaucoup nicher en maison maintenant et moins en falaise, donc des espèces qui sont devenues opportunistes un petit peu sur le bâti. C'est le cas aussi pour des chauves-souris, notamment. Il y a d'autres espèces d'oiseaux aussi qui vont s'être habituées, on va dire, au bâti et qui vont aussi ne plus avoir trouvé leur lieu de nidification habituel. Donc c'est moins le cas en falaise, mais c'est le cas notamment dans les milieux arborés. Il y a des espèces qui sont spécialisées des niches dans les arbres, comme on a tous vu Merlin l'Enchanteur avec les petits hiboux dans les arbres. C'est les petites chouettes de montagne et puis les chouettes effraies. Et en fait, ces chouettes-là, elles vont s'être habituées à aller plutôt vers les clochers ou ce genre de choses. Donc, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est des espèces qui vont préférer, on va dire, la présence humaine. Mais en fait, c'est plus un opportunisme et aussi une disparition, soit de leur milieu naturel, soit une facilité, en fait, à se nourrir au contact des humains. Et d'ailleurs, le renard est aussi très opportuniste. On voit de plus en plus en montagne, autour des refuges, des renards qui sont nourris de restes de pique-nique et qui vont s'approcher des randonneurs même. Et c'est favorable à l'espèce ou, in fine, ça fait décroître les espèces? Je ne sais pas si... Ça laisse moins de choix. Et puis le problème, c'est que le bâti humain, il évolue beaucoup. Notamment, on a vu ça. Enfin, ça, c'est plus vrai sur les gîtes de chauves-souris où, en fait, à un moment, on faisait des maisons en poutres et ce genre de choses. Donc, il y avait des greniers accessibles, des espaces dans lesquels elles pouvaient s'abriter, là où les cavernes étaient moins accessibles, avaient été bouchées ou exploitées ou ce genre de choses. Sauf que, en fait, en faisant des bâtiments en béton, on a perdu ce type de construction et donc on perd les possibilités de nicher. Et voilà, enfin, le bâtiment évolue beaucoup plus vite qu'un milieu naturel, sauf quand il est transformé par l'homme. Par rapport aux espèces en coussin notamment que tu as montré très en altitude, vous avez un moyen de dater leur âge? Depuis combien de temps elles se sont installées? Est-ce qu'il y a des moyens spécifiques, prélèvements ou autres? Oui, vous posez les bonnes questions, je dirais, c'est cool. Alors, pour les moyens exacts, il faudrait que je relise un peu de biblio, mais je sais qu'une étude a montré, en comparant plusieurs individus, qu'un coussin de silène, justement, qui fait entre 20 cm et 40 cm en diamètre, a l'âge en moyenne d'entre 200 et 400 ans. Donc, la silène des deux que j'ai montré ont probablement 500 ans, voire un peu plus. Donc, et puis on en voit dans le massif souvent qui sont bien plus gros que ça. Donc on peut avoir des individus qui ont 1000 ans. Donc c'est assez impressionnant. Et c'est aussi, ça fait penser au fait que ces plantes ont non seulement une capacité d'adaptation impressionnante vis-à-vis le milieu très hostile, froid, enneigé, etc., mais aussi qu'elles sont capable d'encaisser des fluctuations assez importantes de variations climatiques. Si on pense au petit âge glaciaire qui a duré entre le 13e et 19e siècle, où il y a eu des hivers, des années sans été, entre guillemets, et puis aussi des périodes plus chaudes avant, et puis maintenant surtout le réchauffement très brutal qu'elles arrivent à subir, et puis pour le moment. Mais en tout cas, cet âge, et c'est assez, ça nous, je pense, moi en tout cas, ça me rend assez humble, dans le sens que bon, je suis pas très vieux encore, et je suis juste de passage dans ces milieux souvent pas faciles pour nous, même en tant que guide alpiniste. Et puis elles sont là depuis 300, 400, 500 ans, tranquilles. Donc ça force le respect, je pense.
Moi, c'était au sujet du projet Nest and Climb. Est-ce que c'est un projet qui est géré à l'échelle nationale ou est-ce que c'est une initiative qui est plutôt régionale ? Pour l'instant, le projet, il est départemental. Cette initiative de faire suivre les nids d'oiseaux en falaise par les grimpeurs et puis de mettre des petits panneaux pour les informer, c'est quelque chose qui était historiquement beaucoup porté par la LPO et la FFME en tant que fédération délégataire qui conventionnait les falaises d'escalade. En fait, le projet, pour son financement, il a aussi surfé sur le déconventionnement des falaises parce qu'en abandonnant ces conventions qui visent à la sécurité, la FFME va aussi abandonner tout le suivi environnemental, en fait, qui était un tout petit suivi collatéral, on va dire, de l'équipement et tout ça, mais qui faisait quand même partie de la mission. Du coup, en Haute-Savoie, il n'y en avait pas beaucoup de base, donc voilà, c'était un projet qui venait un peu remplir un vide, mais qui, enfin, à l'échelle nationale, ce serait souhaitable, en fait, qu'il y ait ce type de déploiement. Et puis aussi, ça permet d'avoir des grimpeurs qui sont mieux éduqués à leur milieu et qui, de fait, peut-être avec soit plus de respect ou en tout cas une connaissance qui crée une situation positive pour tout le monde, que ce soit les oiseaux ou les grimpeurs, dans le sens où ça permet aussi d'avoir des falaises qui restent dans un bon état écologique et avec le paysage qui va avec, quoi, d'être pas juste dans un gymnase extérieur. Du coup, sur le déploiement à l'échelle nationale, c'est, enfin, clairement, l'OFB, en finançant ce type de projet, a aussi pour ambition de le faire connaître dans ses réseaux et de potentiellement essaimer l'idée ailleurs. Après, il faut voir sur quelle base de financement. Moi, je suis déjà en train de travailler à comment faire le suivi de toutes ces falaises une fois que le projet Nest and Climb en lui-même sera terminé, avec quoi comme moyen. Et puis est-ce que la communauté de grimpeurs va réussir à soutenir l'initiative dans le temps en étant aussi, en s'impliquant de plus en plus et puis bien, de manière bien répartie dans le département. Et puis après, plus ça marche, plus c'est sexy à l'échelle nationale pour être déployé potentiellement, pourquoi pas, par un consortium entre le ministère des Sports et le ministère de l'Environnement. Mais c'est des structures qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Avec l'équipe du centre de doc, on vous a sélectionné ces trois ouvrages, un sur le Ticodrome et deux sur la flore alpine. Ils sont feuilletables ici quand vous sortirez du coup de ce côté. Et vous pouvez toujours passer nous voir au centre de documentation, ce sera avec plaisir. Pareil, vous pouvez vous servir sur le petit livret. Cette année, on fête les 200 ans de la Compagnie des guides à Chamonix. Et les guides, tout comme les plantes, même s'ils feront forcément moins bien, vont s'adapter au réchauffement climatique, j'en suis certaine. Et la prochaine conférence aura lieu le 16 août et ce sera sur l'hypoxie. Donc, vivre en permanence en haute altitude, quels effets ça a sur le corps et voilà, j'espère vous revoir à ce moment-là. Merci beaucoup à vous d'être venus et merci à nos intervenants.